Alors, dans cette vidéo, on va découvrir la fonction logarithme népérien. Alors, cette fonction logarithme népérien, elle se note ln. Ln comme logarithme népérien. Alors, il y a plusieurs façons de définir la fonction logarithme népérien. Et dans le programme de terminal S, on définit cette fonction logarithme népérien à partir de la fonction exponentielle. Alors, je vous ai remis la courbe de la fonction exponentielle. Alors, de quoi vous vous souvenez sur cette fonction exponentielle Premièrement, c'est une fonction qui est définie sur R c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ensuite, vous vous souvenez que c'est une fonction qui est continue, dérivable, et surtout strictement croissante sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R. Donc c'est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Elle est donc toujours strictement croissante. Enfin, sa limite en moins l'infini, c'est 0. Et vous vous souvenez que sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà son tableau. Deux variations. Alors maintenant on va s'intéresser à l'équation exponentielle x égale 2. Alors comment on fait pour résoudre graphiquement cette équation Alors on se place à 2 sur l'axe des ordonnées, on trace la droite d'équation y égale 2, elle coupe la courbe de la fonction exponentielle en ce point, et on lit la solution sur l'axe des abscisses. Donc c'est ici, là, qu'on lit la solution de l'équation exponentielle x égale 2. Donc je répète, si je suis à 2 sur l'axe des ordonnées, qu'ici j'ai tracé la courbe de la fonction exponentielle, ici je lis la solution de l'équation exponentielle x égale 2. Et bien cette solution de l'équation exponentielle x égale 2, par définition, cette solution on l'appelle ln de 2. Autrement dit, ln de 2 c'est quoi on peut le dire de deux façons différentes. Premièrement, on peut dire que ln de 2, c'est la solution de cette équation, exponentielle x égale 2. Ou on peut le dire différemment, on peut dire que ln de 2, c'est l'antécédent de 2 par la fonction exponentielle. Alors j'ai dit ln de 2, c'est la solution de cette équation. Il faut donc justifier que cette équation, elle a qu'une seule solution. Alors vous savez que exponentielle, c'est une fonction qui est continue sur r et strictement croissante sur r, c'est ce qu'on a rappelé dans ce tableau de variation. Donc comment on va justifier que cette équation exponentielle x égale 2, elle n'a qu'une seule solution sur r Eh bien, tout simplement en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc pour utiliser ce théorème, je rappelle qu'il y a quatre arguments à donner. Premièrement, dire que la fonction exponentielle, elle est continue sur r, qu'elle est strictement croissante sur r, que sa limite en moins l'infini, c'est 0, que sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette fonction exponentielle, elle va prendre toutes les valeurs une fois une seule de l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et donc elle prendra en particulier une fois la valeur 2, puisque 2, c'est bien dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et donc l'équation exponentielle x égale 2 aura une seule solution sur r. C'est ce qu'on voit graphiquement, la fonction exponentielle, elle va prendre toutes les valeurs une fois une seule de l'intervalle 0 exclu plus l'infini, et donc elle prendra exactement une seule fois la valeur 2, et donc l'équation exponentielle x égale 2 aura une seule solution sur r. Et donc on peut écrire que d'après le TVI, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation exponentielle x égale 2 admet une seule solution sur r, notée ln de 2. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que cette équation exponentielle x égale 2, elle a une seule solution qui est x égale ln de 2. Et donc, si vous avez une équation du type exponentielle x égale 2, c'est équivalent à dire que x égale ln de 2. Pourquoi Parce qu'on a démontré que cette équation, elle avait une seule solution, et que cette solution, on l'a appelée ln de 2. Et dire que ln de 2 est solution de cette équation, ça veut tout simplement dire que je peux remplacer x par ln de 2 dans cette équation. Et donc, ça veut dire, on en déduit donc que exponentielle de ln de 2 égale 2. Donc si on récapitule, qu'est-ce qu'on a dit Premièrement, on a démontré que cette équation exponentielle x égale 2, elle avait une seule solution grâce au TVI, et que cette solution, on l'a appelée ln de 2, et on en a déduit donc que exponentielle de ln de 2, c'est 2. On peut dire aussi que ln de 2, c'est l'antécédent de 2 par la fonction exponentielle. C'est ce qu'on va écrire tout de suite. On peut donc écrire dans son cours, autrement dit, ln de 2 est l'antécédent de 2 par la fonction exponentielle. Et si maintenant, au lieu de prendre 2, je prends 3, et bien l'équation exponentielle x égale 3, et bien elle admet, pour les mêmes raisons, une seule solution, qu'on lit sur l'axe des abscisses et qu'on peut appeler ln de 3. Et plus généralement, si je prends un nombre a, est-ce que je peux faire toujours le même raisonnement eh bien, je trace la droite d'équation y égale a et je regarde si elle coupe la courbe de la fonction exponentielle. Et si oui, je lis la solution sur l'axe des abscisses et cette solution, je l'appellerai ln de a. Mais si je prends a, négatif, et eh bien cette droite, y égale a, vous voyez bien qu'elle ne coupera pas la courbe de la fonction exponentielle, parce que la fonction, la, la fonction exponentielle, elle est strictement positive. Donc si a est négatif, cette droite, je répète, ne coupera pas la courbe de la fonction exponentielle, et donc il n'y aura pas de solution à l'équation exponentielle x égale à Si a vaut 0, pour la même raison, la courbe de la fonction exponentielle, vous savez qu'elle ne touche pas l'axe des abscisses, et donc exponentielle x égale a, si a vaut 0, n'aura pas de solution. Pour qu'il y ait une solution, c'est extrêmement important de bien le comprendre, il faut que A soit strictement positif. Et donc je vous ai refait cette situation avec GeoGebra, on a placé A sur l'axe des ordonnées et on lit ln de A sur l'axe des abscisses. Et regardez maintenant, je déplace A, tant que A reste strictement positif, on peut lire ln de A. Et regardez, si A devient négatif, on ne peut plus définir ln de A. Et si A vaut 0, voilà, et eh bien là encore, on ne peut pas définir ln de a. Pour définir ln de a, il faut que a soit strictement positif. Donc c'est extrêmement important que vous retenez bien que pour définir ln de a, il faut que a appartienne à cet intervalle 0 exclu plus l'infini. On peut même voir ici, regardez que si a est entre 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini, ln de a sera positif. Et si a est dans l'intervalle 0, 1, et eh bien ln de a sera négatif, c'est quelque chose que vous pouvez déjà retenir qu'on va démontrer un peu plus tard. Donc si je reviens au cours, tout ce qu'on a dit avec exponentielle x égale 2, et bien maintenant je vais le dire avec exponentielle x égale a, mais attention, avec a qui est strictement positif. Et donc à chaque fois que j'aurai 2, je vais pouvoir le remplacer par a, toujours sous réserve que a soit strictement positif. Et donc si je relis le cours, la fonction exponentielle étant continue et strictement croissante sur R, sa limite en moins l'infini c'est 0, sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini, et donc d'après le TVI, l'équation exponentielle x cette fois-ci égale a, attention je choisis a strictement positif sinon c'est faux, admet une seule solution sur R notée ln de a. Et donc je répète encore si a est strictement positif, exponentielle x égale a, cette équation c'est équivalent à dire que x égale... Ln de a. Et ça veut donc dire quoi Ça veut dire qu'on peut remplacer x par ln de a dans cette équation. Et donc ça veut dire par définition que exponentielle de ln de a égale a. Et dit autrement, ça veut dire que ln de a, c'est quoi ln de a C'est l'antécédent de a par la fonction exponentielle. Et graphiquement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on a a sur l'axe des ordonnées, eh bien on lit ln de a sur l'axe des abscisses. Voilà, on lit ici, voilà ici, ln de a. Alors maintenant, je vais m'intéresser à l'équation exponentielle x égale exponentielle b. C'est-à-dire c'est une équation exactement du même type que celle-là où ça, c'est petit a. Alors première remarque, b quelle que soit sa valeur, exponentielle b, comme c'est l'exponentielle d'un nombre réel, il est toujours strictement positif. Donc ici il n'y a pas de problème. Et donc si on applique cette règle, si c'est exponentielle x égale exponentielle b avec ça qui vaut a, c'est équivalent à dire quoi Ça veut dire que x vaut ln de a. Mais comme c'est ça a, et bien ça fait ln de exponentielle b. Alors je récapitule ce qu'on vient de dire. On a vu que l'équation exponentielle x égale a, sous réserve que a soit strictement positif, cette équation elle a une seule solution qui est ln de a. Et ici, on résout exponentielle x égale exponentielle b. Donc on est exactement dans cette situation avec a qui vaut exponentielle b. Et je rappelle que exponentielle b, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc on peut bien appliquer cette règle. Et donc on en déduit que la seule solution de cette équation, c'est x égale ln de a, c'est-à-dire ln de exponentielle b. Or ici, cette équation, elle a une solution qui est évidente, qui est b, parce que si je remplace x par b, ça fait bien exponentielle b égale exponentielle b. Donc b, c'est une solution évidente de cette équation, et je vais l'écrire. Cette équation, elle n'a qu'une seule solution. On vient de dire que cette solution, c'est ln de exponentielle b, mais on vient de dire également que b est solution. Ça veut donc dire, comme il n'y a qu'une seule solution, que ce nombre et celui-là sont égaux. Et donc on peut écrire donc ln de exponentielle B égale B. Alors maintenant, faites bien attention. Ici, on a démontré que exponentielle de ln de A, c'est égal à A. Mais pour appliquer cette formule, il faut que A soit strictement positif. Pourquoi Parce qu'on commence par calculer le logarithme népérien de A, et vous savez que quand on calcule le logarithme népérien d'un nombre, il faut que ce nombre soit strictement positif. Alors qu'ici, on commence par calculer exponentielle b. Et exponentielle b, comme b c'est un nombre l, vous savez que c'est strictement positif. Et donc ici, il n'y aura pas de problème de domaine de définition. Donc cette formule, elle est valable quelle que soit b. Alors que celle-là, elle n'est valable que pour a strictement positif. Et donc c'est très important d'en avoir bien conscience. Et donc je rajoute devant le raisonnement que je viens de faire pour démontrer cette formule, que cette formule, elle est valable pour tout b réel. Alors que cette formule-là n'est valable que si a est strictement positif. Et maintenant, si j'applique cette formule avec B qui vaut 0, ça me donne quoi Ça me donne ln, le logarithme n'est pas rien, d'exponentiel, je remplace B par 0, exponentielle 0. Et ça, c'est égal, d'après cette formule, à 0. Mais exponentielle 0, ça marche comme pour les puissances, ça vaut 1. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit On en déduit que ln de 1 égale 0. Et ça, vous devez le connaître par cœur. Et maintenant, si je remplace B par 1, ça me donne quoi Ça me donne ln de exponentielle 1 égale 1. Je remplace b par 1. Et exponentielle 1, ça vaut e. Et donc on en déduit que ln de e égale 1. Ça également, vous devez absolument le connaître par cœur. Alors, dernière chose à comprendre. Ici, j'ai tracé la courbe de la fonction exponentielle à ma Je me donne un nombre x. Et donc, ici, je lis son image y par la fonction exponentielle. Et donc schématiquement, qu'est-ce que je peux écrire Je peux écrire que x a pour image y par la fonction exponentielle. Donc x a pour image y par la fonction exponentielle. Mais regardons ce qu'on a fait ici. Si ici on a a strictement positif, ici on lit ln de a. Autrement dit, le nombre qui est là, c'est l'image de a par la fonction logarithme. Donc si on lit... Dans ce sens-là, ce nombre-là c'est l'image de celui-là par la fonction exponentielle, mais si on lit dans le sens inverse, eh bien ce nombre-là, c'est l'image de celui-là par la fonction logarithme. Autrement dit y, il a pour image x par la fonction logarithme n'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on dit que les fonctions exponentielles et logarithmes elles sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, c'est extrêmement important de bien comprendre que si ici on a x, le nombre qui est là, c'est l'image de x par la fonction exponentielle. Et inversement, si ici on a y, le nombre qui est là, c'est l'image de y par la fonction logarithme népérien. Autrement dit, dans ce sens-là, on lit l'exponentielle, et dans ce sens-là, on lit le logarithme népérien. Et la fonction exponentielle, vous savez qu'elle est définie sur R, la fonction exponentielle. C'est ce qu'il y a dans le tableau de variation. Et. Les images de la fonction exponentielle, c'est tous les nombres de 0 exclu plus l'infini. C'est ce qu'il y a là dans le tableau de variation encore. Et bien donc, la fonction logarithme n'est pas rien. Elle marchera dans l'autre sens. Elle sera donc définie sur 0 exclu plus l'infini. Et les images seront dans R. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir Premièrement, que les fonctions exponentielles et logarithme népériens sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, si la fonction exponentielle va de R dans 0 exclu plus l'infini, la fonction logarithme népérien, elle va dans l'autre sens. Elle est donc définie sur 0 exclu plus l'infini. C'est ce qu'on a vu graphiquement, que pour définir ln de A, il faut choisir A strictement positif. C'est pour ça que la fonction, je répète, logarithme népérien n'est définie que sur 0 exclu plus l'infini. Deuxième chose à retenir, c'est les quatre formules qu'on a encadrées. Faites bien attention, cette première formule n'est valable que si a est strictement positif, alors que celle-là est valable quel que soit b, réel, positif ou négatif. Enfin, n'oubliez pas que ln de 1 vaut 0 et que ln de e égale 1. Et dans la prochaine vidéo, on va utiliser ces deux formules pour démontrer de nouvelles propriétés sur la fonction logarithme népérien.